Hello, nous sommes vendredi et exceptionnellement hier j'ai pas filmé parce que hier on était jeudi et normalement je filme. Sauf qu'en fait mercredi soir c'était la fête de la musique. Et donc on est sorti à la fête de la musique et du coup je me suis levée pas super tôt le lendemain. J'ai même pas eu le temps de filmer la vidéo du jeudi, enfin bref. Voilà. Et comme je faisais 13h30, 21h, il y aurait eu 2 minutes de vlog, même pas. Donc je me suis dit autant ne pas filmer plutôt que de filmer juste coucou je vais en stage et coucou je reviens en stage et puis je vous arrête. Enfin bref. Voilà, donc du coup là je regarde Plus belle la vie. Enfin j'ai commencé à me le mettre, je vais me faire mon petit déj. J'ai pas mal de colis à vous montrer aussi, mais j'ai reçu ma commande Undies et ma commande Boohoo. Et je pense qu'en fait je vais faire un try on haul. Voilà, même si j'en ai fait il y a pas longtemps, je pense que j'en referai un. Parce que j'ai commandé pas mal de choses, plein d'avis quoi. Et je pense que ce sera mieux dans une vidéo plus vous le montrer là comme ça. Et voilà, je vais vous montrer vite fait là, il y a un truc que j'ai reçu aussi qui est ici. J'ai reçu de la marque Carencia le masque high tech de nuit auto-bronzant, déstressant, teinte naturelle progressive. Une semaine de vacances en une nuit. Je pense que je vais tester ça ce soir. Voilà. Je sais pas comment ça le met, comment faut le mettre, pardon. Donc il faut gommer sa peau, sécher, faire pénétrer le soir de façon homogène sur le visage et le cou. Tamponner légèrement avec un coton humide le contour de la bouche, des sourcils, l'essence des cheveux. Laisser sécher 10 minutes, se laver les mains et dormir. Voilà, je testerai ça demain soir, comme ça je vous montre le résultat demain matin. Je voulais dire, je teste ce soir, comme ça je vous montre demain matin. Il fait une chaleur, c'est ouf, là il fait 26,5. Pour dormir la nuit, c'est compliqué, voilà. Et j'avais reçu un autre truc aussi avant-hier, c'était de la marque Love Organic. J'ai reçu le Run for Love et je crois qu'il n'y a pas de théine, tout ça. Je suis désolée si j'ai les yeux un peu qui pleurent un peu, je viens d'éternuer au moins 3 fois. Et ils disent yoga, fitness et running. Il y a des baies de goji, pomegranate, hibiscus, enfin bref, voilà. Je vais le tester. En plus, ce qui est bien, du coup, vu qu'il n'y a pas de théine, on peut le prendre le soir. Bon, comme d'hab, je suis pas spécialement d'avant. Je suis prête, enfin, je suis prête. J'ai rien fait de spécial. Hein. Bonjour le chien, parce que cette chaleur-là, j'ai un haut Zara et une espèce de. Comment on appelait ça? Jupe short, voilà. L'ancienne, mais j'aime bien. Je vous ai même pas dit en fait. Je vais chez le kiné pour changer un petit peu. Je vais deux fois par semaine. Bon, mon rendez-vous est à 9h30. Il est 9h21. Ça va. C'est pas loin, mais bon, je sais pas non plus. Enfin, après, ça en ligne 500 ans en avance pour attendre. Hein. Il va pas me prendre avant l'heure. Voilà, voilà. La tête rouge dans la voiture. On adore. J'ai cherché mes lunettes de soleil parce qu'il y a déjà du soleil dehors. Il va faire encore très chaud aujourd'hui. Bon, je sors du garage et je vois quoi? Un camion comme ça. Vous voulez pas mettre la piscine chez moi comme ça? Elle est pas mal. En vrai, c'est trop beau. Bon, voilà, séance terminée. En plus, on est dernier jour de la semaine. C'est plutôt cool. Donc, il va falloir que je me retire encore demain après-demain. Parce que là, c'est bien, bien tendu et ça me fait mal. Mais surtout à droite. Donc, c'est assez bizarre. Parce que généralement, en stage, quand on porte des personnes, je porte pas juste d'une main, quoi. Enfin. Comme m'a dit le kiné, normalement les mouvements sont plutôt symétriques, mais bon, bref. En plus, aujourd'hui, je fais un petit soir, c'est-à-dire que je fais 13h30, 18h, vu que les autres jours, je fais plus de 7h par jour. Et ben, il y a toujours un petit jour dans la semaine pour compenser, mais ça, je vous l'ai déjà dit normalement. Donc là, je vais rentrer chez moi. Au début, je voulais filmer des vidéos, mais j'ai pas envie de me maquiller, tout ça, de faire mes cheveux correctement, donc je pense que je vais filmer plutôt tout demain matin. Donc là en rentrant, faut juste que je m'occupe de monter le vlog qui doit être en ligne cet après-midi sur ma chaîne. Et ça serait bien que je révise un peu, mais je vous avoue qu'en ce moment j'ai vraiment du mal à me motiver parce que je suis un peu fatiguée tout ça. J'ai mal à me concentrer, mais bon, va bien falloir. Hein. Bon, me voilà rentrée, je suis désolée si la qualité est un peu moins bien, c'est parce qu'on est... Vous voyez pas, mais en fait on est quasiment dans le noir. Parce que j'avais fermé les volets, en plus il fait chaud, donc je vais les ouvrir un petit peu parce que j'aime pas être trop dans le sombre, mais voilà. Bon, il y a UPS qui est passé, il faudra que j'aille chercher un colis ce soir en rentrant. Dommage, quand j'étais pas là. Ensuite j'ai un autre colis, qu'est-ce que c'est? Colissimo. Et sinon j'ai vu qu'il y avait la poste qui venait d'arriver, mais je pense qu'il y a un truc différent pour les colissimo.
Et là la poste elle était en vélo, donc je pense qu'elle emmène juste les lettres et pas les colis, parce que en vélo il a pas fini. Alors c'est de Natural Mojo et en fait c'est un nouveau truc qu'ils ont fait. C'est le Power Focus, donc magnésium, guarana, ginkgo et ginseng là. Donc c'est une nouvelle petite poudre, voilà, je vais sentir, voir si ça a l'air bon. Les gars, j'en ai sniffé, j'ai pas fait exprès, en fait j'ai ouvert d'un coup, j'ai voulu sentir. Sauf que quand j'ai ouvert d'un coup, la poudre elle s'est envolée et j'ai aspiré. Waouh, j'étais pas prête. C'est pas une odeur qui m'inspire beaucoup. Après, généralement ce genre de truc, moi je les mets pas dans l'eau. Je les mets dans des smoothies ou alors... si je me mets avec du fromage blanc, etc. Et avec, il y avait... Donc avec, il y avait une petite jarre verte. Et je crois pas que j'en ai des vertes. Et j'adore ce petit vert, il est tout mignon. Donc voilà, merci beaucoup à Natural Mojo. Et donc voilà ce que j'ai reçu hier. Il y a tout ça de Undies. Il y avait le pyjama aussi que j'avais ce matin de Undies. Et il y a pas mal de choses. Bouhou, le truc est assez gros, hein. Bon, je viens de faire le montage du vlog qui sera en ligne demain, comme ça c'est fait et vous êtes prêts, je vais me plaindre à 3, 1, 2, 3. Non, en fait c'était juste pour dire que là en fait il fait hyper chaud cette semaine, c'est presque la canicule et que je travaille de soir, j'ai travaillé de soir là, c'est jour 6, c'est-à-dire que je ne peux pas profiter par exemple du soleil l'après-midi et que je suis enfermée sous la chaleur dans notre service parce qu'il y a une seule pièce où il y a la clim et c'est une très vieille clim. Et voilà, c'est la pièce où en gros on mange ou alors où les patients attendent, genre une sorte de salle d'attente quoi. Du coup c'est très nul et la semaine prochaine, je suis quasiment de matin toute la semaine. Et il va faire, bon lundi, mardi il fait encore super chaud, mercredi il doit faire genre 25 et après en fait il va pleuvoir la semaine et il va faire genre dans les 18-20 degrés. Vous allez m'expliquer pourquoi le temps fait exprès. Moi qui pensais la semaine prochaine, je suis de matin, je vais pouvoir me poser au soleil, réviser au soleil l'après-midi. Eh ben non. Mais bon, vu qu'il va pas faire beau, je vais devoir rester enfermée à réviser. Voilà. En espérant que le temps change, parce qu'avec des copines, on avait prévu de se baigner mercredi après-midi. Voilà. Donc si vous pouvez croiser les doigts pour qu'au moins il ne pleuve pas, parce que pour l'instant ils annoncent de la pluie. Voilà. Il est déjà 11h34, au final j'aurai eu le temps de pas faire grand chose, enfin si j'ai quand même monté deux vlogs c'est pas rien. Mais là du coup je vais faire à manger et comme je finis à 18h j'ai pas besoin de me faire à manger pour ce soir. Et je vais me faire, enfin pour moi et mon copain, des croques soja au fromage, donc sans viande, riche en protéines. Par contre c'est tout petit, du coup voilà quoi, c'est tout petit et ça a l'air d'être une matière assez visqueuse alors que quand on regarde là... Pas l'air la même texture, donc à voir une fois que c'est cuit ce que ça donne, une fois que je les aurai ouverts et comme ça en fait c'est riche en protéines et que ça remplace en gros la viande. Et bien je vais faire des légumes avec, donc qu'est-ce que je vais faire comme légumes? Je vais faire des courgettes et des tomates, voilà, parce que c'est mes légumes que j'adore quoi. Bon il est midi 10 du coup, j'attends mon copain, en fait j'ai fini de faire à manger donc son assiette va être froide et en fait ça fait pas beaucoup. J'ai fait deux courgettes, une tomate et puis le truc mais... Enfin je veux dire les courgettes et tomates et tout ça tient pas trop aux ventes. Donc j'hésitais à refaire genre quelques pâtes, je sais pas. Waouh, je suis tout noire. Je viens de me garer, ça y est, il est quelle heure? 13h09, ça va, je commence à 35, donc largement en avance, mais bon, comme je suis de soir, je suis garée un peu plus loin, donc le temps de marcher, tout ça. Et il fait super chaud et tout, genre que je suis rentrée dans la voiture, 36 à l'intérieur de la voiture, j'ai ouvert les fenêtres et tout, et là on passait à 32, les sièges noirs me brûlaient. Et comme j'avais mes blouses, je me suis assise sur mon blouse, voilà. Parce que sinon ça me brûlait avec les sièges noirs. Donc voilà. Comme je disais, ouais, il y a un petit peu de vent. Donc ça va rafraîchir. Puis il y a quand même pas mal de nuages. On dirait que ça sent l'orage. Mais je sais pas. Peut-être pas assez. J'en sais rien. On verra bien. Bref, gigot. Je finis à 18h10, je crois. Donc on se retrouve tout à l'heure. Bon bah ça y est, journée terminée, c'était hyper rapide hein, parce qu'une journée de 4h30, franchement c'est très rapide. Voilà, c'était cool. Donc maintenant direction la voiture, il fait beaucoup plus gris. Bon,
je vous ai dit ce matin que j'avais un avis de passage et du coup je suis allée chercher et c'est un truc qu'on vient de m'annoncer aujourd'hui que j'allais être, que si j'étais intéressée pour faire un partenariat avec. Et en fait c'est comment dire le nettoir ou voilà qui s'occupe de ma chaîne qui me l'a envoyé avant en fait que je leur réponde. Enfin, parce qu'ils m'en parlent aujourd'hui. Du coup je suis trop contente, c'est un truc vraiment trop cool. Je vous montrerai en rentrant parce que là j'ai juste guetté si c'était bien ça, mais à la forme et tout c'était ça. J'en étais presque sûre et je suis trop contente. Franchement c'est un truc trop cool. Et voilà. Me voilà rentrée, je viens de croiser un nouveau voisin, ça commence mal, je lui dis bonsoir, il me répond bonjour, non. Et il repartait avec sa valise, en fait il y a pas mal d'étudiants en fait dans ici où on est je pense. Parce que très souvent genre jeudi soir et tout, la fête et genre le samedi, bon il y a des fois la fête aussi mais c'est des fois c'est hyper calme. Puis là il repassait avec sa valise donc je pense qu'il rentrait. J'en ai déjà entendu parler qu'il disait là, je rentre chez mes parents et tout donc voilà. Parce que c'est vrai que genre moi je suis étudiante mais je vais pas genre bah après je suis avec mon copain c'est pas pareil. Mais je pense que même si j'habitais toute seule genre je rentrerais pas dormir chez mes parents. Enfin en même temps c'est pas si loin. Mais j'ai même des potes, leurs parents habitent pas très loin et qui rentrent chez eux. Je sais pas. Voilà moi je... Bon là j'ai habité avec mon copain donc forcément je vais pas aller dormir chez mes parents. Ce serait bizarre si j'allais dormir chez mes parents et lui chez les siens. Enfin c'est pas pareil en fait. Je pense que quand t'es étudiant genre dans une autre ville, c'est plutôt que en fait tu vas pas habiter définitivement ici. C'est que en fait t'habites juste là pour tes études et que du coup en fait t'habites toujours chez tes parents. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais c'est comme ça que je le vois. Je meurs de chaud. Il y avait un autre colis dans la boîte aux lettres. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Franchement si vous voyez. Comme vous êtes installé, j'ai fait une pile d'une bougie, du Choco Dream et de crème pour le corps Lush pour que vous soyez à peu près à la hauteur de ma tête. Voilà, donc qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Je crois que c'est un truc que j'attends depuis très longtemps. Très longtemps. Et c'était genre le truc qui me manquait pour faire ma morning routine. Du coup, je ne vais pas vous montrer ce que c'est. Parce que vous verrez ça très prochainement. Mais du coup ça m'arrange trop. Parce que ça veut dire que demain matin je peux tourner ma morning routine. Par contre il faudra juste que je me lave les cheveux ce soir du coup. Mais oh, je suis contente. De toute façon franchement même si je me douche le truc, je me suis douchée et le matin et le soir. Parce que franchement tellement chaud que c'est horrible. Je vais vous montrer du coup ce que je suis allée chercher au relais colis. De toute façon je vais vous faire parce que je fais le partenariat avec le... Ah là j'arrive plus à parler. Le partenariat avec eux sur Instagram. Donc c'est en fait une mini imprimante comme ça. Donc c'est de la marque HP. Elle a l'air trop belle ici, elle est comme sur la photo. Et en gros vous la connectez à votre téléphone et vous pouvez imprimer vos photos Insta, tout ça, enfin toutes les photos que vous voulez depuis votre téléphone. Donc c'est super cool. Donc il y a ça, je sais pas s'il y a déjà des... s'il y a 10 papiers inclus dedans. Et avec, ils m'ont mis une petite boîte de 20 papiers. Je sais pas du tout combien ça coûte par contre les papiers. Mais je trouve ça trop cool en fait parce que du coup, c'est pas comme un Polaroid où t'as le stress en fait de rater tout ça et voilà quoi. Au moins t'es sur ton téléphone, tu peux faire tes retouches photos. Voilà. Et je crois qu'ils ont une application, enfin j'avais déjà testé un événement, une petite imprimante comme ça, je sais plus c'était quelle marque. Mais bref, je vais regarder ça. Alors, est-ce qu'elle est aussi jolie que sur la photo? Yeah, franchement elle est trop belle. Je trouve ça vraiment trop chou. Donc elle est blanche et je sais pas si vous allez bien voir, elle est blanche et rose gold s'il vous plaît. Trop jolie, j'adore. Je pense qu'il faut la recharger, il y a un petit papier. Alors là il y a les petites feuilles donc c'est vraiment, c'est des toutes petites photos hein. C'est trop chou. Et ça je suppose que c'est pour la recharger ou pour, je sais pas. Je vais la brancher à mon ordi pour voir si ça charge tout ça. Et bah je pense que je vous montrerai dans un vlog quand j'imprimerai ma première photo. Ce sera sûrement ce soir, peut-être demain, ou je verrai si je vais en imprimer une pour Lily ou quoi. Mais en tout cas je suis super contente, donc un grand merci à HP. Bon oui j'ai remonté mon t-shirt parce que j'ai trop chaud. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Oui je suis en train de faire des photos Insta parce que j'ai reçu des trucs. Du coup voilà, je fais quelques petites photos. Enfin là faut que je vous... Là il faut que je les poste sur Instagram. Sinon je suis en train de regarder parce qu'il y a Becca qui a reçu un aspirateur. Il est trop en promo. Mais je vais pas l'acheter hein. Mais si jamais vous passez par là, Eufy, parce que c'est la marque. Coucou, je suis là moi aussi. Je suis là, coucou. Je peux tester les aspirateurs aussi.
Bon, c'est sûr qu'avec ce genre d'aspi, je ne peux pas aspirer les araignées. Mais je pourrais être sur mon canapé et le petit gars, il passe tout seul. Voilà, c'est plutôt cool. Voilà. De sûr, quand j'aurai... Là, je m'en achèterai pas un parce que j'ai pas les sous pour ça. Mais quand j'aurai une maison, je pense que j'en aurai un parce que quand t'as des grands endroits à aspirer, voilà quoi. Bon, du coup, je vais vous laisser. Mon copain va pas tarder. Mon chinois est encore parti loin. Bref, du coup, là, je regarde des vidéos sur YouTube. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et c'est toujours regarder des vidéos comme le temps que je poste mes petites photos sur Insta, que je réponde un petit peu aux commentaires, puis ensuite on mangera, je me doucherai, enfin voilà, tout ça, tout ça. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Et demain, je vlog le spectacle de danse de Lily. Enfin, je sais pas trop ce que je vais pouvoir vlogger comme il y aura d'autres enfants. Je vais essayer de vous filmer un peu ça. Je sais pas si vous allez entendre. Mais il y a un voisin ou une voisine qui écoute Ariana Grande à fond. Et ça, je love. Et voilà, à demain.